rescapé, cette bagnole. Alessandro, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Pardonne-moi. On y va, par ici. Qui c'est, lui? Ah, lui, c'est lui. Qui ça, lui? C'est Rex. Rex. Alors, il s'appelle comme ça? Ouais. C'est le chien du commissaire Fabry. Vous aimez les chiens? Pourquoi? Vous pourriez le prendre avec vous, non? Il nous a aidés à résoudre beaucoup d'affaires. C'est pas un chien policier ordinaire, vous savez. Un maître peut avoir une centaine de chiens. Mais un chien, lui, n'aura toujours qu'un seul maître. C'est mon grand-père qui me l'a appris. Un moment, ne partez pas, mon chien est resté dehors. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens, monte! Il est seulement un petit peu capricieux. Quoi? Tu veux que je te donne mon petit pain, c'est ça? D'abord, il faut que tu le mérites. Tiens, regarde. Le principe de notre petit jeu, tu le connais déjà. Je prends une gomme et je la pose délicatement sur le bureau, comme ceci. Et ensuite, je la recouvre d'une tasse. Et à côté, je mets une autre tasse sans rien dessous. Et de l'autre côté, je place également une troisième tasse vide. Ensuite, je déplace ces trois tasses. Et si tu réussis à deviner sous quelle tasse se trouve la gomme, mon petit pain est à toi. D'accord? C'est parti. 1, 2, 3, ouvre bien les yeux. 1, 2, 3, ne perds pas la trace de vue. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne très vite. Il faut bien se concentrer, sinon c'est râpé. On tourne, et on s'arrête. Alors, Rex, où est la gomme, hein? C'est celle-là, tu crois? Non, on va savoir tout de suite. Eh non, désolé mon gars, tu t'es fourré la patte dans l'œil. Ah là, tu penses, voyons voir si tu as raison. Eh non, encore raté, tu as perdu. Elle était là. Écoute, Rex. Tu dois faire très attention, mon chien. Il faut être extrêmement attentif. C'est essentiel. Tu comprends? C'est capital pour un policier, aussi bien que pour un chien policier. Tu vois? Tu dois être attentif au moindre détail. Il faut toujours être concentré. Sinon, tu pourrais être. Arrête de faire l'andouille, tu veux. Assume-moi. Pushka et à l'officier de police Aberkorn de venir me rejoindre. Je crois que juste après, c'est notre tour. Je suis fier de vous. Continuez comme ça. Merci, monsieur.
Je suis fier de vous. Continuez comme ça. Merci. Nerveux? Plus ou moins. À présent, je demande à l'équipe Brantner de venir ici. Je remercie l'équipe Brantner de l'excellent travail qu'elle a accompli. Je remettrai la décoration à celui d'entre vous qui a le plus d'ancienneté au sein du groupe. Je suis fier de toi. Continue comme ça. Bien entendu, tu savais qu'il n'y aurait que lui qui recevrait une médaille. Ils sont de plus en plus radins chaque année. Avant, pour ce genre d'occasion, il y avait toujours des escalopes ou du rôti de porc. Quelque chose de décent au moins comme buffet. Et attends, en plus, en guise de prime pour la décoration, on avait droit à un jour de congé. Mais, moi, les amuse-gueules, je peux m'en passer. Mais ce qui m'échappe, c'est le coût de la médaille. Pourquoi on n'en a pas eu une chacun, hein? Tu ne vas pas être jaloux de la médaille de Rex. Oh, mais tu sais, c'est pas pour moi. Mais tu connais pas ma mère, ça se voit. Elle a déjà parlé de la décoration à tout le quartier, tu te rends pas compte. Je vais avoir l'air malin maintenant, je te jure. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Demande à Rex de te la prêter quelques jours. Hé, Rex, tu veux bien prêter ta médaille? Brantner. Tu sais où j'ai fourré les fiches de taxi de Madame Lorenz? Oui. À leur place. C'est-à-dire avec ces documents. Voilà. Merci. J'avais déjà remarqué ça tout à l'heure. Elle prenait presque toujours le même taxi. Regarde. Même tampon, même signature. Gustave Kuhn. 13 Poltenweg et un numéro de téléphone, celui d'un portable. Appelle-le. Les chauffeurs de taxi ont de gros porte-monnaie aussi. Oh, merci, Rex. Mais je crois pas vraiment que ma mère va se contenter de ça. Je suis désolé. Je pense pas qu'elle apprécierait. C'est le malade. Pourriez-vous m'indiquer les toilettes? Oui, c'est juste là, la porte à gauche. Oh, vous avez une maison tout à fait magnifique. C'est bien du Jugendstil. Oui, avez-vous remarqué la beauté des boiseries? C'est ma femme qui a tout fait rénover. Elle aime beaucoup cette maison. Vous voyez comme le montant se rétrécit. Et on a cherché longtemps avant de le trouver d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a eu un problème au rein il n'y a pas très longtemps. Bon, attendez-moi une minute. Je reviens tout de suite. Voilà ce que je veux. Et de boire un peu d'eau. Boire, s'il te plaît, ça va te faire du bien. Il veut pas, on dirait. Tenez, ça va le soulager. Qu'est-ce que c'est? Vous n'en avez jamais vu? Si. Non, ils sont très gros. Six fois par jour. Fais un effort et c'est te lever. Ah!